Ici, écoute, on est chanceux, on est dans, dans le garage spécial Ferrari de l'investisseur Luc Poirier. Luc a été très gentil de nous accueillir pour faire le dévoilement de ma toile spéciale 1 de 1 pour les festivités du Grand Prix de Montréal. Je suis avec la Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'est une fondation qui aide les enfants malades et qui apporte du soutien aux enfants et à leurs familles. Donc, c'est une fondation qui me tient à cœur. Ayant dessiné Caillou pendant 20 ans, c'est sûr que tout ce qui touche les enfants, là, pour moi, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à eux pour donner une partie des profits là, du montant vendu là, de la toile. Vous êtes prête? OK, let's go, je vous montre ça. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation ici dans le cadre d'une cérémonie de dévoilement de toile ainsi que de print 1 de 1. Monsieur Alain Labrosse, ami de la famille Villeneuve, ici va accepter de recevoir un des prints d'une édition de 1 de 20 pour la famille Villeneuve. Le print sera présenté par Mélissa Audet de DMS Marquage et Codage. Je vous présente ma reproduction 1 de 1 version Montréal. Oh, wow! Je parlais avec Tom Lapointe. Là, on travaillait pour faire un projet commun. Puis dans le temps qu'on se parlait, c'était tout près du premier Grand Prix de Miami. Puis on s'est rendu compte que, justement, la date de décès de Gilles Villeneuve concordait au premier Grand Prix de Miami. Donc, on a voulu créer une toile hommage à ce grand pilote de chez nous. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a la toile originale qui est inspiration Miami, où j'ai pris les couleurs de Miami, les palmiers. Et puis, cette toile-là, on a fait 20 reproductions limitées sur 20. Puis, on a des prints qui sont à l'enquête pour la Fondation. Mais j'ai voulu faire un print spécial. Autre que le papier, j'ai fait sur de la toile. Et puis, j'ai retravaillé la reproduction pour faire une toile spécifique Montréal, pour lancer les festivités du Grand Prix de Montréal. Donc, j'ai peint par-dessus les palmiers pour faire un background de Montréal. Donc, on peut voir le casino, on a le skyline de Montréal, le Mont-Royal, et puis la biosphère. Ainsi que j'ai changé un petit détail. Ici, on peut voir que j'ai le logo du Canada, le drapeau du Canada, mais je l'ai changé ici pour le drapeau du Québec. Pour remercier nos sponsors, DMS Marquage Codage, Bombardier et puis le Consulat général du Canada à Miami. Mais avec nous aujourd'hui, on a Mélissa Audet, qui est la vice-présidente de DMS Marquage Codage.